Welcome back to Meadham 2017. I'm Mark Sutherland. I don't have a picture, as you can see, but you can see my face. I'm the editor of Music Week, which is the leading publication for the UK and international music business. It's a lovely sunny day in the south of France. What better thing for us all to do than sit indoors and debate copyright legislation? Well done, everyone, for doing that. I'm amazed at that as well. But you probably see more sun than us Brits. And in fact, there is nothing better to do than sit inside and debate copyright legislation, because the European Commission's proposals on modernising copyright will have a big effect on everyone involved in the music business, everyone in this room probably, certainly a lot of the people on the panel here. So there is a lot to talk about, and we've gathered together a heavyweight cast of politicians and music business professionals to discuss what the biz likes to call the value gap. Now, the value gap is not the outrageous disparity between the price of a drink in the Carlton bar and the actual alcohol you get for it. It's what normal people in the real world would probably call music rights holders being royally ripped off because some online platforms just don't give them enough money. So that's what we're going to talk about. These are the people that are going to talk to us about it. So I'll go down the line and introduce them all. On my left here is Jean-Marie Cavada. He's a French member of the European Parliament, also president of the European Movement France, and has campaigned against the impact of US technology companies and involved with the committee that's going to sort all this out for us. Is that right? I'm going to take that as a yes. Next to him, we have Florian Drucker. Apologies if I'm mispronouncing anyone's name, by the way. But he is the managing director of the Bundesverband Music Industry. How about that? Which represents the German music industry, the German BPI for the Brits in the audience. He's a lawyer and also an expert in the digital music business. Next to him is another German, Christian Ehrler, a German member of the European Parliament from the Christian Democratic Union Party, and also a technology expert and a big champion of copyright. Next to him, Guillaume Leblanc, the managing director of SNEP, right here in France. SNEP, of course, represents the French recorded music industry, so he's kind of the French Florian, if you will, or maybe Florian is the German Guillaume, whichever way you want to put it. And to finish on the far right, but with some politicians on the panel, probably shouldn't say that. On the end of the panel, we have a couple of Italians. We have Professor Paolo Marzano, chairman of the Copyright Committee at Italy's Ministry of Culture, which sounds very grand. And next to him, Enzo Mazza, president of FIMI in Italy, which you've probably guessed represents the recorded music industry in Italy. So he's the Italian Guillaume, you get the gist. We've got the Germans, we've got the French, we've got the Italians. There's no one here from England. It's a little like the latter stages of a major football tournament. But we're not here to talk about that. I may vote myself off this panel halfway through and do a Brexit. But first, though, before I start asking stupid British questions, we are going to take a look at the state of the music market and why the value gap is an important concept in three major European nations. And Florian, Enzo and Guillaume, you're going to talk us through a short presentation. Is that right? Yes. Thank you, Mark, for this introduction. Just a few words on the panel. With my German colleague Florian and my Italian colleague Enzo, we think that Meadham was a perfect time and place to have a discussion on the future of the industry. Not only between us, between professionals, but it was important to have with us a debate with the MEPs and the members of the government who are directly involved in the copyright directive reform and who are convinced on the need to preserve the future of industry, of the cultural diversity, etc. And I want to thank them all for having accepted our invitation.
Maybe just in a few words, let's come back on the context. As you know, last September, the Commission, European Commission, set out proposals on the modernization of copyright. And the Commission clearly identified the need to address what we call the value gap. This, I think, one of the most important issues we're facing right now is in the industry. And now it's time for the European Parliament, and the European Parliament just started to examine the draft directive a few months ago, and we are now, I think, entering in a very crucial, important period. So we're going to have this debate all together today. But before having this debate and before asking questions, just wanted to come back on the quick presentation of the last market figures, thanks to figures from IFPI. Just in a few slides, I think we are now living a very exciting moment. We all know that. Because last year, as you may know, the global recording music market grew by almost 6% through last year. That was the highest rate since 1997. It was the second success year. So 2015 and 2016, and hopefully we think it's going to be in the same direction this year. What's important to say that streaming revenues got massive boost, as you can see it, plus 60% last year. And now it offsets the decline in downloads and in physical revenues. And it's worth also noting in these figures that digital revenues hit milestone last year because for the first time it accounts more than 50% of the global market. So if you have a look back, so the situation is more and more encouraging, it's getting more and more encouraging. And as you can see, the growth is getting bigger and bigger year after year, especially in streaming revenues. At the end of 2016, there were 112 million users, guys who wanted to pay for music in the world. So streaming is getting more and more important in countries. Some countries in Europe, and you can see that Italy, Germany, and France are the last one for the moment, but the situation is changing very fast. Streaming is also generating, of course, more and more revenues in Europe, but thanks to paid streaming revenues, thanks to paid streaming, thanks to Spotify, Deezer, etc., and we'll get back on this debate. Just a quick look on figures in Germany, France, and Italy, just in a few words. As you can see, Germany, the third market, was in growth last year. Physical is still very, very important in Germany, but streaming is growing a lot. France also was the first growth last year in France since 2002. So we worked well in France too. This is the fifth market of the world for the moment, and streaming and digital revenues are getting bigger and bigger. And Italy, of course, good growth in streaming. I think 2015, Enzo, was exceptional in Italy, but it was still pretty good in 2016. All this background is very encouraging, but I'm going to give the mic to Enzo, but to be sustainable, and that's the key message we want to convey today, that this success requires resolution of the market distortion, what we call the value gap. Thanks, Guillaume. The main issue we are facing today is obviously that this growing market of the streaming growing market is limited by differences. They are not in terms of business model. If you look into the kind of platform offering content, video in the case of YouTube, audio in case of different platform, but it's based on a kind of legislative loophole that have been set up in the past when the legislation, in particular in Europe, introduced the e-commerce directive and was focused on limiting the liability of passive telecom, in particular carriers who were transferring the content between different computers.
And this legislation turned into an issue today, where we, as you can see from this slide, we have already a market growing in the streaming sector, but with revenues that are quite different from platforms who are already offering the same kind of access to music, if we look from the perspective of the content made available. That is, in fact, the value gap. Is a problem of fairness, is a problem of accessing music in the same way, but remunerating the right holders in a very different way. And that is not sustainable, and as I said, is not fairness. Here there is no one who is against YouTube or against the stream video streaming. We are a partner to companies like YouTube in all our countries, but we need to work in the same way. This is something, streaming is a boat where everybody should roll in the same way. And that's the reason why the Commission and also the Member of the Parliament here are working on how to fix this issue and providing a level playing field where everybody can be satisfied and get the safe remuneration that is fair for everybody. I'm taking over from here to give you an update on. I have my mic. It's okay. To give you an update on the German situation, and if we see that. Oh, this is the old version of the presentation, but I can also run this one through. It's work in progress. If we see the German example, then we are facing a situation where we had a discussion over 10 years about blocked content. We had a discussion about GEMA not licensing YouTube. We have seen GEMA like some sort of last man standing, and we saw a huge battle in front of the courts. So then all of a sudden there was a settlement. And so it was proclaimed a little bit like the victory over GEMA, or a huge settlement, or the user finally got what he wanted. Of course, it's a good sign for the consumer, but we have to say, which is a scandal until today, the settlement has been made under circumstances where YouTube is not accepting to be accountable for licensing the content. So that's something where, when we look back what we achieved as an industry, and where we see the progress we made and how we embrace the digital environment, then we always have to see that this lack of clarification and this lack of level playing field still plays a huge role. Of course, there was a settlement, but still, you always have to remember that this was the background of it. So what we need, and that's exactly the point to fix the value gap defined by Enzo, is a clarification at EU level, because I strongly believe that not every European country should find his own way to tackle a global player. And we see the provisions, the drafts with regards to the copyright directive, and we are all fed up in the music industry to hear the old excuses dating from the early days of the internet, because we lived the changes, we embraced the changes, and we're now hearing the old story of something developing in the internet and the chances. And so that's for us the way to increase the revenues for the entire sector, for everyone participating in the income. It's not only about the labels, it's about everyone participating. And so, not to be forgotten from the German perspective, we have to fight jointly illegal offers, because we cannot forget about that. And that would be my take on the German perspective. Thank you. Just quickly on that, Florian, did the German music industry think the GEMA settlement was a victory for you guys or not?
First of all, it was a surprise because a long time the GEMA was having a tough stand vis-a-vis GEMA, vis-a-vis YouTube, and then we saw the progress we made in the political discussion. But then, of course, there is enormous pressure from the rights holders to get finally something out of the usages. So there was some understanding, but it was quite difficult in the press environment to always remind that the overall issue is not solved, not because there was a deal, there is a solution for the problem. And that's something, so I personally, as a lawyer, I would have liked to see the courts deciding on the question whether YouTube is a content provider or a mere host provider in Germany. So that would have been a very interesting one, but of course you can also lose the case, and that's why they did the settlement, I guess. You lawyers always want to go to court, but so that is what the music industry thinks about the value gap. And now we're going to hear from Jean-Marie, who's on the very much on the front line in the European Parliament, dealing with the value gap and the safe harbour question. And you're going to give us an update now on where we are, Jean-Marie. D'abord, je vous prie de m'excuser. I'm very sorry, but I'm lazy, so I'm going to speak French. Either German. We are in France. Yeah. We have translation, seems to be. Seems to be. J'ai connu le MIDEM avec entre 10 et 15 000 participants. Cette année, on est entre 4 et 5 000. Je cite ce chiffre parce que c'est la meilleure illustration possible de la crise des industries musicales que nous vivons un peu partout à travers le monde et particulièrement en Europe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis content de voir les chiffres et les explications que vous donnez, mais c'est un peu comme s'il fallait se contenter de la portion congrue. Et ceci est totalement inacceptable. Naturellement, nous sommes un peu responsables, nous les industries européennes, nous les dirigeants de la chose publique européenne. Nous sommes responsables. Nous n'avons pas construit les industries numériques que nous aurions pu faire, car je rappelle qu'il y a beaucoup plus de médailles Fields, c'est-à-dire le Nobel des mathématiques, en Europe que sur le continent américain. Rien qu'en France, il y en a 13 depuis la Deuxième Guerre mondiale, sans compter les autres pays. Mais nous avons laissé passer cette opportunité. Alors aujourd'hui, nous sommes en réalité sous la domination d'un certain nombre d'industries qui, eux, ont été très actifs et qui se sont érigées dans quelque chose que je considère totalement hors la loi. C'est le seul commerce au monde, fournisseur d'accès, plateforme et autres, qui peut se permettre de vendre, de faire du commerce au clic sur la publicité de ses recettes, avec des produits que de temps en temps ils achètent, que de temps en temps ils n'achètent pas. Et que mon problème à moi, dans ce qu'on pourrait appeler la régulation du commerce mondial, et notamment en Europe, c'est de faire en sorte que les GAFA, pour ne parler que de cela, contre qui je ne suis pas un adversaire, mais qui sont eux, nous considèrent comme des adversaires, c'est qu'ils rentrent dans les règles normales du commerce. Les règles normales du commerce, c'est trois choses. Premièrement, on n'a pas le droit dans le monde tel qu'il est organisé, régulé, à plus forte raison en Europe, de vendre ce que l'on n'a pas acheté, autrement dit de voler. Si vous vendez des voitures, vous les achetez aux fournisseurs. Si vous vendez des oranges, vous les achetez aux grossistes. Si vous vendez des chaises, vous les achetez aux designers ou aux constructeurs. Le digital est le seul commerce au monde qui peut s'exonérer d'acheter et cependant tarifer ses ventes. C'est totalement anormal. Je sais que c'est un peu étrange de dire cette chose parce que tout le monde a oublié les règles normales et basiques du commerce. Pour moi, la faute européenne, elle est là et il va bien falloir remonter la pente par les tribunaux, par des accords ou par toute autre forme de mobilisation que vos professions, qui sont un peu molles, laissez-moi vous le dire, je sais de quoi je parle, on est souvent, nous, les parlementaires, dos au mur, que vos professions fassent monter un tout petit peu la pression pour qu'on ait une égalité de discussion, pour que ce qui se vend
aient d'abord été préalablement achetées. Ça, c'est le premier point. C'est ce que j'appelle la responsabilité éditoriale. Il y a une deuxième responsabilité dont les grands groupes digitaux se sont exonérés sans que ça gêne beaucoup de monde, et qui est un pur scandale, c'est la responsabilité sécuritaire. Aujourd'hui, je parle moins des plateformes classiques dont nous parlons ici, et le Value Gap, qui est quand même, à mon sens, une petite tisane dans un grand océan qui n'est pas régulé. Mais aujourd'hui, c'est le seul endroit où un émetteur de quelque chose, de contenu, peut s'exonérer de faire la police sur ce qu'il diffuse. Si vous-même, en tant qu'individu, vous vous permettez de diffuser ce qu'on trouve sur les réseaux, vous irez directement, au regard des lois de vos pays, en prison. Eux, non. Il y a une anomalie absolument insupportable, puisque ces réseaux, je le rappelle, transportent, sans que ça gêne énormément de monde, de la pédopornographie, du crime financier, de la propagande terroriste, de la propagande négationniste, et il n'en manque pas sur le continent européen. Et aussi magistraux que veuillent être les pays du continent européen, je ne vois pas que ça les ait beaucoup choqués au point de construire des lois, de déposer des plaintes. Bref, la régulation européenne est tout à fait insuffisante sur ce sujet. Et objectivement, la Commission, plutôt que d'essayer de diviser en bout de saucisson la question des droits d'auteur, ferait bien d'abord de s'occuper de ça. Il y va du danger de la sécurité européenne. Ça, c'est la deuxième responsabilité. Responsabilité éditoriale, je l'ai dit. Responsabilité sécuritaire, je viens de le décrire. Il y en a une troisième. Il est tout à fait scandaleux de faire semblant de s'ériger pour construire des lois qui organisent la dette financière des compagnies et notamment leur fiscalité en ayant au moins 5 paradis fiscaux sur le continent européen. Voulez-vous que je les cite ? C'est peut-être pas la peine d'ailleurs, vous les connaissez. Mais surtout, que les profits immenses que les GAFA réalisent sur le continent européen n'apportent pas d'impôts à la plupart des pays européens, à part essentiellement un, deux peut-être, il faut regarder un peu avec deux, trois, mais qui se situent quelque part à un seul chiffre, alors que vous-même vous êtes imposé entre 20 et 30% et vos compagnies au-dessus de 30%, moyenne générale en Europe, 25% en tout cas. Ce désordre fondamental est la cause, plus votre relative passivité, il faut le dire, parce qu'on est seuls, nous les parlementaires. Ceci est la cause d'un désordre immense en Europe. Alors maintenant, devant quelle situation nous trouvons-nous ? Nous nous trouvons devant une difficulté nouvelle, mais qui est aussi quelque chose de très intéressant. La construction d'un marché digital européen. J'y suis totalement favorable, je vous le dis tout de suite. Mais pas aux conditions du vol, de la défiscalisation que nous vivons actuellement. Il est donc nécessaire, si on veut travailler dans ce sens, de poser toutes les questions sur la table afin que nous puissions avoir une discussion équilibrée. C'est d'ailleurs l'intérêt à moyen terme des fournisseurs d'accès pour une raison tout à fait simple. C'est que le consommateur, qu'ils ont eu l'adresse d'ériger en adversaire de la liberté d'accès, ce qui est totalement faux. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est des choses qui soient intéressantes. Il se trouve que par ailleurs, l'Europe est un continent de nations qui sont productrices de façon magnifique, extrêmement riches de produits culturels dont les distributeurs ont besoin. On devrait donc penser, normalement, qu'une alliance est possible. Mais pour l'instant, pour des raisons multiples, dont notamment notre passivité, nous les Européens en tant que régulateurs, et probablement aussi du laisser-faire qui a régné dans les professions qui ont subi des crises terribles dans vos professions, nous ne sommes pas à ce balancier. Et il faut l'atteindre, chers amis, il faut atteindre ce balancier. Je ne suis pas disposé à bondir de bonheur quand je vois que petit à petit, les industries musicales regagnent un tout petit peu de terrain, parce qu'il faut regarder en considération le désastre qu'a été dans votre profession les 10 dernières années. Et mon problème à moi, il est d'essayer de créer le rapport de force nécessaire à ce que les créateurs et ceux qui facilitent leur émergence dans le monde du commerce, de l'activité culturelle, aient une force suffisante pour discuter d'égal à égal
avec les pourvoyeurs d'accès. Nous en sommes très loin. Et je terminerai en vous disant ceci. La Commission européenne, dont le président Jean-Claude Juncker avait promis en public, devant moi d'ailleurs, de préserver le droit d'auteur, est en train de financer. D'abord, ils ont découpé comme des tranches de saucisson, ce qui en réalité aurait dû tenir dans une seule et même directive qui s'appelle, qu'on aurait pu appeler la directive droit d'auteur qui est actuellement à l'étude. On a d'abord eu l'an dernier InfoSoc, une directive qui a été déviée de son sens, mais qui a permis quand même de rappeler que le droit d'auteur était la colonne vertébrale des recettes des créateurs. Si j'y attache du prix, c'est pour une raison simple, c'est que l'industrie artistique européenne représente, dans la dernière mesure, qui est je crois l'année 2014, 536 milliards d'euros. Les créateurs des pays continentaux européens, c'est 536 milliards d'euros, tout considéré. C'est 7 200 000 emplois, c'est-à-dire plus que l'automobile et les télécoms réunis. Par conséquent, je suis stupéfait de voir qu'on saucissonne, qu'on ergote, qu'on discutaille, alors qu'on est en train, en réalité, d'ouvrir très grandes les portes du continent européen, de prendre ses richesses créatives et de faire un commerce que l'on achète ou qu'on n'achète pas, et que donc le rapport est totalement inégal et totalement dangereux, car un jour, si nous poursuivons comme ça, les créateurs européens vont diminuer, puisqu'il n'y aura plus d'argent, plus de recettes, plus de... Mais ceux qui arrivent du monde anglo-saxon essentiellement, car c'est ça la vraie difficulté, ont besoin de produits, ne les payent pas à leur vrai prix quand ils les payent, ils ne les payent pas tout le temps, comme vous savez, et donc nous allons vers une sorte de pillage de nos richesses culturelles pour fournir du matériel à ceux qui en feront commerce. C'est ça le vrai rapport, c'est ça la vraie question. Le reste est assez secondaire. Et moi, je suis extrêmement exigeant sur cette affaire. Par exemple, la Commission nous a proposé un rapport sur la portabilité, un mot pour dire ce que c'est. Vous êtes abonné dans un pays à un fournisseur d'accès X ou Y, vous payez votre abonnement, et nous avons construit une directive qui a été votée d'ailleurs très largement pour permettre à ce qu'un Européen qui habite l'Italie, qui est abonné à un fournisseur d'accès télévision ou autre dans son pays, de se déplacer avec son abonnement dans les 27 autres pays de l'Union en respectant la territorialité du droit d'auteur qui est une des bases de la portabilité. Et qu'est-ce que je vois arriver là maintenant? Je vois arriver une directive contre ce qu'on appelle le géoblocking, en réalité la territorialité. Autrement dit, la vraie question, c'est à quoi joue la Commission dans cette affaire? Un jour avec la main gauche, le lendemain avec la main droite. Ça suffit. Je ne suis pas disposé, moi, et je ne suis pas le seul, à laisser piller les richesses culturelles des 28 nations européennes, 27 sans doute bientôt, au motif que nous n'avons pas vu passer le train de la construction des grandes entreprises digitales il y a une quinzaine d'années, ça n'est pas un motif suffisant. Et en attendant que nous ayons les autres, je veux que la Commission et le Conseil défendent la création européenne dont la colonne vertébrale s'appelle le droit d'auteur, auquel je n'accepte pas que l'on touche. Tout n'est peut-être pas bien réglé dans le droit d'auteur, mais tout le reste est pire. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de ça. Thank you very much, Jean-Marie. I'm not sure how many of you had the benefit of the translation, but it's clear that you don't think the fight to get the safe harbor legislation through is a done deal, as a few people have thought. So what needs to happen from your point of view for safe harbor legislation to become a reality? Toutes les législations dans les 27 pays membres, et à plus forte raison dans chacun de ces pays et à plus forte raison dans l'ensemble de l'Union, c'est une question de rapport de force d'une part et d'autre part de justesse de jugement.
Pour que le jugement soit juste, il ne faut pas tendre le dos pour se faire battre. Et objectivement, parmi les industries culturelles, le monde de la musique est probablement le plus silencieux. Je vous l'ai dit une fois, deux fois, je me permets de le redire, ça n'est pas une façon de vous sermonner, je ne vois pas de quel droit. C'est une façon de vous dire que nous sommes, nous les législateurs, assez seuls et le dos au mur. On ne vous voit pas beaucoup. Vos artistes, on ne les voit pas. On ne les entend pas. Et donc, le rapport de force n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que la loi ? La loi, c'est le bon sens commun de l'intérêt général. Comment on mesure l'intérêt général ? Eh bien, en voyant de quelle manière tel groupe professionnel peut être... on peut améliorer son fonctionnement ou pas. Non pas pour l'intérêt du groupe, mais pour l'intérêt de tous, car les GAFA ont réussi un exploit extraordinaire en termes de communication. Ils ont fait croire que le droit d'auteur était un empêchement à la liberté d'accès et à la neutralité du net. D'abord, mettons les choses au point, la neutralité du net, c'est une foutaise. Ça n'existe pas, c'est une plaisanterie de garçon de bain. Le net n'est pas plus net, n'est pas plus neutre qu'un journal, qu'un téléphone, qu'une affiche. Rien n'est neutre, rien. Ils ont la responsabilité de ce qu'ils transportent dans les trois responsabilités que je vous ai énoncées, éditoriale, sécuritaire et fiscale. Et aussi longtemps que politiquement nous ne serons pas sur ce sommet de discussion, tout ce que nous allons faire va être, dans le meilleur des cas, d'améliorer à la marge les risques que nous courons. Pas de rétablir la situation. Et si vous regardez bien, l'industrie européenne de l'ensemble des activités artistiques est aujourd'hui la première au monde. 530 milliards d'euros. Que je sache, l'industrie américaine, l'industrie indienne et peut-être un jour la chinoise ne pèsent pas 530 milliards d'euros. Et par conséquent, nous ne tirons pas la force politique pour établir des rapports loyaux. Je ne parle pas d'écraser les GAFA. Je parle de les faire rentrer dans la morale normale du commerce, si tant est qu'il y ait une morale dans le commerce. En tout cas, tu ne vends pas ce que tu n'as pas acheté. Tu ne propages pas ce qui est risqué pour la démocratie, c'est-à-dire les crimes dont j'ai parlé. Et tu payes tes impôts là où sont tes consommateurs, country by country. Et aussi longtemps que je n'aurai pas cet équilibre-là, je travaillerai à essayer de construire un report de force. La question qui vous intéresse fondamentalement, c'est de savoir si vous vous sentez l'envie de monter sur le front pour défendre ce qui, après tout, est l'intérêt de vos artistes, de vous-même, puisque vous êtes aussi, à votre manière, des créateurs. Moi, je connais assez bien vos métiers de par mes professions précédentes, et je sais que c'est absolument indispensable. Parce que je ne veux pas que le marché européen des consommateurs, que l'on a d'ailleurs opposé très habilement aux fournisseurs d'accès, alors que les consommateurs, ils ont intérêt à ce que ce qu'ils trouvent dans les réseaux soit de bonne qualité et fonctionne. Eh bien, je ne veux pas que les consommateurs aient à consommer une sorte de mélasse universelle dans le monde, parce que naturellement, ça ne peut pas convenir à nos systèmes public ni à nos systèmes politiques. Nous sommes faits différemment. Nous avons construit nos démocraties en Europe sur nos cultures, pas l'inverse. On n'a pas la culture de nos systèmes politiques. On a les systèmes politiques de nos cultures. Les Italiens sont différents des Allemands, qui sont différents des Français, des Finlandais, etc. Et il faut faire respecter cette affaire, parce que sinon, nous ne serons plus qu'un marché de consommateurs des produits venus d'ailleurs. Aujourd'hui, les États-Unis, pour parler clairement, demain, d'autres, il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes ne soient pas très bons fournisseurs. Et naturellement, on voit bien que ça, c'est la mort de la singularité des pays qui composent notre continent, dans lequel vous avez, vous, une responsabilité à exercer qui va bien au-delà de votre commerce, bien au-delà de vos métiers de producteur, bien au-delà de vos métiers de distributeur, bien au-delà même de vos métiers d'artiste, même si les artistes sont généralement assez frileux et restent dans leur environnement. So the music industry needs to do more to fight for the value gap, according to Jean-Marie. We've got some music industry people here. Are you doing enough? Do you think you've made a good enough case to take to convince the public and the politicians that this is something that needs to happen? Florian? I mean,
Ask maybe Christian Ehler how he sees things, because we did a lot, and I think especially with regards to value gap, we saw a huge amount of artists, of label owners, of other creatives placing the issues. And of course, we have to see one thing. We are not such a huge branch, and we see that some intransparent lobbyists of digital companies are running around in the parliament and are referring to other things. And we are very transparent lobbyists, which we are. And so, yes, we could do more. Even we can work 24/7, and we will do until the end. But still, it's a perception, and I think we can have other impressions of others, so how they see us present in the debate. Yeah. Christian, you're on the end of this lobbying, I presume, from both the music industry and Google. Is it a fair fight in the lobbying sense of things? Because, I mean, the music industry is back in growth, but it hasn't got as much money as Google has it? No, not at all. And the result is not just, you couldn't see that just in the parliament or just on legislation. I mean, the perception in the music industry, like in a lot of other creative industry, had been we are on the right side. I mean, the industry saw itself along a younger generation, interested in culture and creativity and things like that. And to some extent, I mean, the American platforms had been very successful because it's a liar's poker. They suggested an alliance between the consumer and their commercial interest. I mean, we use the phrase, it's free, it's for consumers. And this is a pretension. It's not for free. I mean, first of all, the industry gets access to you, and you're bombarded with advertisement. Secondly, I mean, we're living now in a time of the second level of revenues, and this is the data consumers are giving to these platforms. We are no longer just talking about the revenues and the not fair shared revenues from advertising. We talk about another dimension. I mean, the second dimension of the revenue model from this industry is consumer data. This becomes more and more important, and it's not well understood that this is not for free. If you do an illegal download or a download, and this pretension we are also using quite defensively, saying, you know, we don't, I mean, it should be for free for consumers, but there should be some licensing. I mean, we were already taking over that kind of ideology, because it is that we're not serving the interest of the citizens, because we make them believe it would be for free. And this is literally not the case. And you see a younger generation, that's a little bit the problem of the music industry right now. You see that strange alliance in a lot of metropolitan area, where you see in cafes sitting a younger generation on their Apple computer with their creative project, and they get more and more Taliban if you steal their bicycle. But they don't understand that IP rights is not a limitation to democratic access to information. It's simply ruining their future. And it's a pretension that it's actually for free. I mean, it's a perfect business model where they think they would get something for free. They're messing up their economic perspectives. On the other hand, they pay in a lot. They get nothing for all their consumer data they're distributing to these platforms. And so we are living in an age where, if it would be really the decision between having everything for free for the consumers and then their industry a little bit suffering, I mean, this, we also already swallowed the lie in the way we do our argumentation. And so from my point of view, that lobbying went far beyond what you would expect, that an industry or another sector would compete in terms of what would be the framework for their industry in terms of the legal framework and the economic framework. I think it went far beyond. And if I may show a little bit another dimension, I mean, we're just talking about the music industry, and the shortcoming had been a little bit that all of these creative industries were protecting and fighting for their issue. But if you look a little bit beyond, I mean, what will be the unique selling point for Europe in the future?
Will it be German car manufacturers? Definitely not, because we will see that the changes in traffic and so on. So you don't need a 12-cylinder W BMW anymore. So what is unique about the economic perspectives of Europe? And this is content. I mean, fashion, design, music, a lot of other things, and this is the miracle we had been given by fate or whatsoever, translates into other cultures. It's a miracle that in China a little shopkeeper is regarding a French handbag coming from a 18th century background is an icon of their life. Or European lyrics in a song translate to someone coming from a Taiwanese or an Indonesian kind of background. So the unique gift and the economic perspective of Europe is cultural content. But the interesting choices in terms of cultural content are, we are going to be the museum village for the rest of the world to suck up a little bit of a smell of culture in Venice or Paris? Or is it actually, in perspective, the economic future of Europe? And if you can see satisfied consumer markets, I mean, we have a car, we have a lot of things, so what's the reason to buy something? It's very often a kind of social distinction. You want to present yourself, you define yourself, it's a way of life you would buy in, you want to show something. So in future markets, content, social definition, the transfer of image, of creativity will be, from my point of view, detrimental to be successful in future markets. And what we are practically doing is we are not deciding whether the music industry producers or artists are going to die. It goes far beyond. We are selling our future. This is the creativity, is the USP of Europe. And if we are losing that battle, and the interesting thing, the content providers, Prima saying content is not so important and it's just the upload of third parties and so they do understand. They accumulate money. And why is Netflix now producing TV series? Why is YouTube creating YouTube stars? Because they do understand that their business is content, not distribution. And so the funny thing is the perception of the importance of content is much better understood in Hollywood, in the Silicon Valley, that is then compared to Europe, where it is just a discussion where we would relate to cultural identity, to Sunday speeches or something like that. We are simply selling our economic future if we are going to lose this battle. All right, well, that sounds pretty serious, Guillaume. Guillaume, you're representing the music industry here, the French music industry. How do you get around those problems then? Has the music industry been too ready to let consumers think that music is free? Yes, I think we're all focused on YouTube, but we know that we have to, of course, they are partners and we have to build something with them, but it's just a question of level playing field. Just maybe to come back on the question, I was really surprised by a study published by Adopi in France. You know, Adopi is not very popular, but a study released just a few days ago, and the study young people between 8 and 14 years old, and just trying to identify the sources of cultural influence, how they make choices, etc. And the first one was family. But the first one was family. The second one was friends, and the last one was YouTube. Why YouTube? Because YouTube is free, and because you can find all the content on YouTube, any content you want. So if you just consider that those young people between 8 and 14 years old are going massively on YouTube, it's not only a question of political power, it's a question because it's deeply ingrained, you know, in the way people listen to the music on the web. So it's a question also of education. We have to build something with generation, and we need the political power for that.
Paolo, you're obviously doing a lot of work in legislation in this area. How difficult is it to change these laws at European level, do you think? Is it something that's going to be done in Europe? Mark, it's very difficult. It's energy taking, but it's so important and magic to give all of your time and your energies to fight for creativity. That's the future. And if we want to have younger generation that have an education, knowledge, a job, an art, or whatever you want to call it, then you have to fight for copyright. The Italian government and the French one entered on May the 2nd into a joint declaration. It's a one page and a half joint declaration that goes through all the issues raised by the Digital Single Market Initiative. And of course, the value gap is the most important one. But the two governments say one fundamental thing. Access by consumers is important, but the author and the creative role of the author is even more important. If we don't protect copyright law, we don't incentivize the creation of work of authorship. And if you don't create new content, the consumer in the future will not access to anything. You're not against the consumer. You are the best friend of the consumer. And if the Commission wants to preserve the economy of the European Union and want to have younger generation competitive, full of knowledge and education, the Commission shall not only focus on consumer right to access, but to the first step, that is that of creating content. I don't know whether we can resume the slides we went through, but there is one which was amazing. There was a comparison, shall I push here, on the green button. Bravo, Paolo. You're so intelligent. Here we go. Estimated revenue per user. You see that? I do. $20 for $20 Spotify against one. Here is how I read this box. $19 that don't go into the pocket of the creative industry, in which the creative industry will not reinvest in new product. You are not the only one who's going to pay for this price. Younger generation will pay for that, because you will not be able to reinvest. The issue is that the creative industry is not against the consumer. And this is what we have to fight for. Copyright was never against the public. The most important economic right in terms of copyright, what is it? The right to publish, correct. In the term to publish, you can see the term public. It's there. You are the best friends of the public and of the younger generations. They were able to build a legibus solutus kind of business model. They don't want to pay taxes. They don't want to have editorial liability. They don't want to pay for royalties. The e-commerce directive was meant to develop and let the high-tech industry grow up. They're going too far away to the detriment of the European Union citizens. This is why I hope and I'm sure that the two governments, along with that of Spain, will fight and create a block to fight for copyright, because this means fighting for consumers. Yeah. Now, YouTube aren't on this panel, obviously, so I'm going to just play devil's advocate for a minute and pretend to be YouTube. Imagine I haven't paid any tax, and then just so I can get into character. They say they distribute billions to the music industry and that they get that money from people who never actually would subscribe to a service like Spotify. Enzo, do you buy that argument at all, that they're bringing people in who otherwise would be going to piracy and bringing in zero rather than $1 a piece? I can speak by using, it sounds strange, but I will use YouTube research to support this. Recent research was published by Google and
was done by run by a company called RBB, was promoted as explaining how YouTube has attracted consumer from the use of pirate sites, so has turned at least a part of the consumer into legitimate market. But in particular for Italy, if you look at these numbers, there is an entire different story behind it. In particular, YouTube, in fact, has cannibalized the streaming market in my country. At least 69%, if you look at the slide, unfortunately it's not here because it's on the study of YouTube, but there is a slide called distribution of ratio of streams to views by track. You will see the for Italy, more streams than YouTube is 31%, more YouTube views than stream is 69%, compared to 12 in Germany, 14 in France, and 20 in UK. That means that there is an actual cannibalization. But what is more interesting is when YouTube tells us that percentage of YouTube time shifted to different platform if YouTube did not exist. At the end, we can see that shifted to higher value platform for Italy, there is 13% percentage of YouTube time shifted to different platforms. So people moving to higher value platform are about 13% of the use. If you take again the slide that Paolo showed you about the estimated revenue per user, just for Italy, this means an additional revenue, only 13% will generate additional revenue for 26 millions, an increase of the streaming premium market by 41%. So that is the value gap. YouTube will be a partner of the industry. Accept this study, solve the issue, pay the right holders enough and fair. Okay, maybe just to come back on the figures quickly, we all heard figures about YouTube. They paid $2 billion to music industry, then that was $3 billion, okay. But just talking to $3 billion, but since 2008, just remember, keep in mind that Spotify just paid $1.6 billion to the industry just for last year. So we're not talking about the same situation. Yeah, I guess you talk about YouTube being a partner with the music industry. I mean, often the music industry does partner with YouTube, despite saying it doesn't give them enough money. It will do things like put albums up for free on YouTube, or it will partner with them on album launches. Does that send a confusing message? Because you're sort of saying YouTube is important and will help us promote our records, and then on the other hand you're saying, well, but they need to give us more cash. Doesn't this show the power, the sheer power of YouTube, and doesn't this show how, in which situation the music industry is, and how the need of regulation is like ripe to be decided? Because it is, of course you partner, and this was my GEMA example. Yes, there is an enormous pressure. Yes, you have to use opportunities sometimes. Yes, there is competition. But if you see that more and more of the other platforms like Spotify and co are now also being more vocal, because they understand that it's unfair competition, which has to be solved. And just one more thing, because Monsieur Cavada said this very politely to me, just to my ear, it's not only the time where the artists and the music industry should be vocal, it's the time where the national governments should involve and not stay silent and lean back and listen to all the people. Now it's time to take a position to show that it's, yes, it's about the national industries, no, but it's about the cultural future of Europe, and that's where you have to take your stand. Also, I'm talking for Germany here, and Germany is very silent at the moment. Yeah. Right, do you have a point to make, Jean-Marie? Come back on that. Je voudrais faire trois remarques extrêmement rapides. D'abord, on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Et de ce point de vue-là, vous avez été exemplaire. Vous avez été gentil. Et voilà la situation de l'industrie musicale. C'est une réalité. Le film, le cinéma, c'est beaucoup mieux défendu que vous. Vous êtes dans la même situation que la presse et les maisons d'édition. Et encore, l'édition livre s'est battue beaucoup mieux.
Elle a obligé un certain nombre de distributeurs numériques à avoir des contrats un peu meilleurs. La presse, c'est une catastrophe. Je rappelle l'exemple de El País en Espagne, qui s'est vu offrir une aumône par un distributeur numérique qui était vraiment ridicule, alors que le distributeur numérique pillait systématiquement tous ses contenus. Donc on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. Tous les métiers ont à se défendre à un moment de leur vie. Les pêcheurs l'ont fait, les agriculteurs l'ont fait, l'automobile l'a fait, les télécoms l'ont fait. Et vous ? Où en êtes-vous ? Mais songez bien à une situation qui est assez étonnante. Moi qui ne suis pas dans l'industrie de la musique, Monsieur Heller qui n'est pas dans l'industrie de la musique, nous nous battons pour défendre votre avenir. De temps en temps, ce serait quand même bien qu'on vous voie un peu plus, et notamment vos artistes. Et s'il faut aller jusqu'à démontrer aux institutions européennes, par une présence massive des artistes, que la voie dans laquelle ils s'engagent n'est pas la bonne, il faudra vous remuer, mes amis. Il faudra le faire. C'est votre avenir qui est en cause. C'est la première chose. Deuxièmement, je veux illustrer ce que je viens de dire. L'Allemagne était assez loin des questions de droit d'auteur pendant longtemps. Et depuis 2-3 ans, elle a engagé des procès parce qu'il y avait distorsion de la concurrence. Elle a engagé des procès parce qu'il y avait tel ou tel contrat qui ne convenait pas devant la Cour de justice. Elle s'engage maintenant, par exemple, dans la reconnaissance du droit de panorama. Ou, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si vous êtes un artiste et qu'on fait une photo devant votre œuvre, si vous êtes un artiste vivant, c'est normal qu'on vous demande votre autorisation. Et si je fais des cartes postales du monument que vous avez construit et que je les vends dans le commerce, c'est normal que vous, l'artiste, vous ayez une rémunération discutée avec moi, le vendeur. D'accord ? L'Allemagne était loin de ça. Les architectes allemands commencent à bouger. Le droit de panorama commence à arriver. Je voudrais dire une troisième et dernière chose, c'est que nous vivons dans des sociétés d'industrie de services. La distribution, les services bancaires, les assurances, la distribution par le net des produits alimentaires, des voitures, de l'ensemble de l'économie. Mais je veux me tenir simplement dans le secteur des services, non pas les produits manufacturés, mais les services, d'accord ? Est-ce que vous croyez que ce serait normal qu'une compagnie d'assurance accepte qu'on contracte une assurance sur le net, mais qu'on ne la paye pas ? Mieux que ça, que je la revende à quelqu'un d'autre. Je vais prendre une assurance à une compagnie, je ne la paye pas, mais je vais la revendre. Et là, je vais faire payer. Personne n'accepterait ça. D'accord ? Je pourrais vous dire la même chose pour les services bancaires. Je n'ai pas besoin de vous faire de schéma, vous connaissez ça. Autrement dit, je voudrais arriver au raisonnement suivant pour vous donner de l'orgueil et de la force. Bruxelles, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. La Commission, ça n'est jamais que le secrétariat général des pays, des gouvernants de vos pays que vous avez élus, où il y a vos électeurs, où il y a vos concitoyens, qui mettent en forme les lois sur lesquelles nous, les parlementaires, nous discutons. Autrement dit, ce travail n'a pas été fait dans nos pays membres, dans les 27 ou les 28. S'il avait été fait plus puissamment, bien évidemment qu'il y aurait une unanimité pour faire des lois qui protège le droit d'auteur, qui ne jette pas par terre l'industrie musicale. Parce qu'en fait, vous connaissez, vous, une industrie européenne que la Commission n'ait pas défendue ? Ben, moi, j'en connais une, la vôtre. C'est la seule. Même les agriculteurs sont très bien défendus. Même l'automobile, je ne vous en parle pas. Enfin, vous le savez comme moi. Pour quelle raison faut-il que l'on supporte cette chose qui est plus importante ? Une musique, c'est quand même plus important qu'une bagnole, non ? Franchement. Comment se fait-il que ces produits culturels soient si méprisés, foulés aux pieds, et qu'en plus, la Commission, avec qui je discute beaucoup, va y avoir un rendez-vous avec M. Ansip, là, nous allons nous parler, comme on dit, hein, bientôt. Comment se fait-il que la Commission ait eu, je dirais, une stratégie de division d'une question qui est une question unique ? D'abord InfoSoc l'an dernier, puis la portabilité cette année, puis maintenant la directive droit d'auteur, peut-être la réouverture de la directive e-commerce, le géoblocking. C'est comme si on découpait vos droits en une demi-douzaine de morceaux en espérant que sur un, je peux céder un peu, mais que sur l'essentiel, je ne céderai pas. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est extrêmement grave car c'est quelque chose qui participe de nos idées.
Il n'y en a pas un ou une parmi vous qui, dans son patrimoine culturel, ne connaissent pas la musique du pays voisin, les livres d'un pays plus lointain, le théâtre de... Nous avons tous, dans nos pays nationaux, une partie du patrimoine de nos voisins. Est-ce qu'on va le laisser massacrer pour 0 euro? Franchement, c'est pour moi incompréhensible, cette affaire. Je ne vois qu'une issue, se montrer, agir et nous aider, parce qu'après tout, on va finir par se lasser, nous les parlementaires quand même, après tout. C'est sérieux. À ce point-là, de solitude et de gravité, si les professions ne mettent pas en avant leurs artistes, eh bien écoutez, j'écouterai Mozart, c'est libre de droit, hein. So the music industry needs to be nicer and to fight more. You won't be saying that if you're in the bar with us later, Jean-Marie. But that, sadly, is all we have time for. I've been Mark Sutherland. Before I Brexit, let's say a big thank you to our panel, please. Jean-Marie Cavada, Florian Drucker, Christian Eller, Guillaume LeBlanc, Paola Mazzano, and Enzo Mazza. Thank you very much. If we could all get off the stage, there's another panel coming right up. Thank you.